Bonjour tout le monde, on se retrouve sur FIFA 17 dans le mode division en ligne. Là, je viens de charger, là, de lancer à l'instant pour jouer avec le Milan AC. C'est une équipe assez modérément forte. C'est vrai que c'est une de mes équipes préférées historiquement. Voilà, elle m'a fait rêver, elle m'a fait pleurer aussi. Hein, souvenez-vous de cette finale, mener 3-0 et revenir, et Liverpool qui revient jusqu'à 3-3 pour perdre au final au tir au but. Enfin. C'est le Milan AC, ça a été assez, enfin, c'est vraiment des matchs épiques, comment ils éliminent l'Olympique Lyonnais aussi, pour ceux qui s'en souviennent, avec un Inzaghi qui va marquer dans les dernières secondes du match, alors que Lyon est en train de les éliminer. Enfin, voilà, le Milan AC, c'est une équipe mythique. Alors moins ces derniers temps, c'est vrai que ça fait un peu moins rêver, mais... Ça va revenir, moi j'y crois. Et c'est vrai que bon, ben, moi qui adore le football italien, ben, on est obligé d'adorer Milan quoi, quand on aime le foot italien, parce que c'est vrai que ça fait partie de... C'est une équipe légendaire, hein, clairement. Allez, oh, et bel arrêt du gardien de but avec, sur un tir de Keisuke. Ah, de toute façon, il y avait hors-jeu, donc pas de... Voilà, pas de... Pas de regret sur notre frappe un peu ratée. Alors qu'avec Keisuke Honda, on peut mettre de belles frappes, je pense. Ah non, on va pas choper la balle. J'ai pas changé grand chose de l'équipe qui nous met de base. J'ai juste rajouté Keisuke Honda à droite et j'ai fait je ne sais plus quoi. Je croyais avoir fait un autre changement, mais je suis plus si sûr que ça. Voilà. Petite erreur de notre part, attention. Non, j'ai peut-être pas fait d'autres changements, hein, hormis celui-là, je sais plus, non, je crois pas. Allez, on tente de relancer, on a vu. Ouais, ça va pas passer, ça va pas passer. On aurait peut-être dû faire la passe en profondeur, en hauteur. Donc on passe, c'est notre deuxième match de cette division 8. On a commencé avec une première victoire. C'est surtout notre jeu qui est capable de beaucoup apporter. Allez. Là, je me... pas assez vif. Pas assez vif. Alors c'est cool d'affronter le PSV Eindhoven, équipe qu'on voit pas si souvent. Hein, c'est bien. Par contre, on galère un peu à... On galère. Il est solide défensivement pour l'instant. Il tient le coup et c'était une faute de lui. Hein. Allez. On va essayer de lancer Keisuke Honda pour un joli centre peut-être. Allez. Ah non. On va mettre la pression. Non, toujours pas. Je pense que dans les airs, ils seront peut-être difficiles à battre, les Néerlandais. Nyang. Hop. Ah, ça veut pas. On a hésité. On a tenté là une petite talonnade avant de tirer. Là par contre, on récupère. On est en train de dominer ce début de match. Maintenant, faut savoir concrétiser. Pour l'instant, c'est pas le cas. Allez, allez, faut s'imposer dans les airs. On ne lobera pas le gardien. Attentif. Et on en restera à 0-0, mais corner. Ouais, c'est proche du gardien, ça. Trop sur le gardien. Par contre, il fait une passe à Montolivo. C'était dangereux. On n'en a pas profité. Et on perd et on rend même un ballon peut-être intéressant pour l'adversaire qui est bien bloqué pour l'instant. Ouh, il y a faute là. Non, il n'y a pas faute. Il n'y a pas de faute, alors attention. Attention. Nous, on sait bien qu'on manque d'objectivité. Il y a toujours faute de l'adversaire et pas de nous. On le sait bien. Allez, c'est pas mal ça. On va essayer de lancer Baka. On voit là-bas, il y a peut-être quelque chose à faire. Bonaventura, ouh, bien. Bien joué, parce qu'il y avait, on voyait Keisuke Honda. Après, on aurait peut-être pu faire une petite passe. On va tenter corner à la rémoise. Allez, Keisuke Honda. Hop. Ah non, raté le centre. Montolivo, on a eu envie de tenter une grosse frappe. On n'a pas trouvé de quoi faire. Deseglio, Honda, Bonaventura. C'est pas mal, Deseglio. Ah non. Encore une fois, trop proche du gardien, que ce soit mes centres, mes passes. Des petites erreurs de notre part qui font... Oulala, il a dû se faire peur là quand même. Qui font qu'il y a toujours 0-0.
et que l'adversaire peut continuer à espérer gagner. Alors que si on avait su concrétiser, on pourrait déjà mener de 1 voire 2 buts d'avance. Au final, pas du tout. Il y a 0-0. C'est le côté joueur de PES. Hein. Je suis pas encore très fort pour concrétiser mes actions. C'est vrai que dans le jeu, au niveau de, voilà, de la création de balles, etc., vous y perdez pas trop. Hein. Vous passez de PES à FIFA, de FIFA à PES, c'est proche. Par contre, après, quand il s'agit de savoir marquer, d'avoir le bon dernier geste, ben là, les deux jeux sont quand même, pardon, les deux jeux sont quand même sensiblement différents. Et c'est là où, ben, quand tu vas passer des années à jouer à PES, ben, revenir là-dessus, c'est difficile. Et on se prend un but assassin, pas si mérité que ça. Première action de l'adversaire, un centre, sans que je me sente vraiment en danger, et on encaisse ce but. Décevant, bon, le mec va laisser pendant 3 heures son truc, il est fan. Voilà, je blablate, je me déconcentre. Et on encaisse ce premier but bêtement. On va essayer de se reconcentrer, d'apprendre, comme je disais, ben, lui, on sent que ben, c'est peut-être un vrai joueur FIFA, lui. Il sait concrétiser ses actions. Alors que nous, on va vendanger énormément d'occasions. Il est hors jeu. C'est un. Ouais. On le savait, je l'ai su dès que j'ai. Je l'ai limite su avant qu'il y avait hors jeu. J'ai quand même fait cette passe un peu bête. Hein. Alors que j'avais d'autres opportunités, d'autres choix. Allez, il y a peut-être quelque chose à faire là. C'est pas mal, Keisuke Honda. Ah non. C'est fou, hein. C'est, là, le dominer n'est pas gagné. C'est clairement vrai. C'est-à-dire que. Ils n'ont pas beaucoup de ballons, hein, mais attention, voilà, avec ces contres. Ouais, des contres assassins, ça peut aller vite. Mais c'est fou parce qu'on les tient vraiment bien. Quoi. C'est le premier centre, leur premier truc, et c'est un but. C'est rageant. C'est rageant, mais c'est comme ça le foot. Hein, faut l'accepter des fois. Ça arrive. Donc, méfiance. Essayer de ne pas encaisser un deuxième but, ça nous mettrait en difficulté. Là, hein. Ça nous mettrait en difficulté. Ça va, il y a Montolivo. Allez, on peut partir en contre. Ah ouais, mais c'est trop téléphoné mon jeu là. C'est évident que je vais faire ça. Le mec qui vient me faire perdre du temps, non. Il a pas trop envie de jouer. Il se suffit de ce 1-0 pour l'instant. Quoique, il peut peut-être aller marquer un but là. Hein. Attention. Ce serait. Oh, ça aurait été terrible là, s'il marquait là. À la mi-temps, ben 1-0 pour lui, nous 4 tirs, un seul cadré, hein, c'est ça le problème, lui, un tir, un cadré. Je suis pas d'accord, il a tiré une deuxième fois là, donc normalement il y a 2 tirs, un cadré pour lui. Selon moi, je sais pas ce que vous en pensez. L'entraîneur qui va faire un... En tout cas, ça fait 1-0 pour PSV Eindhoven face au Milan AC, et ça me va pas. Il va falloir réagir. Offensive, Rossoneri. Allez. Est-ce qu'on trouve une opportunité? Montolivo. Ah! Il y avait une petite faute. Ah! Et il reviendra pas à la faute. Là, on a pas. Ça joue à pas grand chose. On n'est pas loin, je pensais, plusieurs fois de marquer le but. Ça se voit pas comme ça. Mais je pense qu'on n'en est pas si loin que ça de marquer. Bon. On va y arriver. Moi j'y crois, j'espère que vous y croyez vous aussi. Allez, Keisuke Honda, ça c'est un bon ballon. Et ça revient vite. Keisuke Honda, c'est pas sur sa vitesse qu'on fait la diff avec lui. Hein. Vous savez, si vous me voyez jouer en mode Ultimate Team, vous savez que je le joue pas mal lui. Il est un membre important de mon équipe. Mais. Ouais, c'est sur son toucher de balle que tu vas faire la différence avec Honda. Un peu à la manière d'un Pirlo ou d'un Totti. Allez, c'est pas mal. C'est pas mal encore. On a des choix. Il y a vraiment des pauses. Oh là 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 là. Je joue mal le coup là. C'est vraiment. C'est rageant. Il y a vraiment la place pour marquer. Ah, quand même! Et voilà! Wouh! C'est pas mal, l'action était assez bien construite.
On revient à un but partout, à une demi-heure de la fin. Ah, c'est pas immérité, hein. c'est pas volé comme on dit. Alors après au niveau de notation des joueurs, on a peut-être une équipe légèrement meilleure, je dirais. Enfin. Ouh là là, mais il prend de tels risques dans ses relances avec son gardien. Il y a une faute, hein. Il y a évidemment faute de Ignacio Abate. Il avait fait faute. Il a pas envie de la jouer rapidement. Moi je mets pas la pression là, s'il veut le faire. Alors, autant la jouer rapidement là si c'est pour faire ça, je trouve. Mais bon. Tant mieux pour nous, il l'a pas fait. Voilà. C'est... Ah là je fais des choix pas toujours très malins. Là par contre, il y a. Ah, on n'est pas loin d'aller mettre ce deuxième but là. On peut aller gagner. Moi j'y crois. J'espère que vous aussi. Allez, Kouka. Non, j'aurais dû faire un centre. Mais qu'est-ce qu'il fait, le mec? Oh, merci. Hop. Honda, Montolivo, Seglio. Ah, mauvais choix. Ouais, trop altruiste. De toute façon, on n'aurait pas pu. Enfin, ça. Mais pas vraiment d'opportunité de frappe, je trouve. Allez, là, t'as le temps d'armer. Oh, le centre, il a pas centré. Il a pas centré, dit Seglio. J'ai trop attendu, me disant, ouais, j'ai vraiment le temps d'armer mon centre grâce à ce crochet. Là, il y a danger. Là, il y a danger. J'ai fait une faute. Hein. J'ai fait une faute, clairement. Et ça, c'est dangereux. Là, c'est dangereux. Il y a un bon coup franc pour l'adversaire. Il décide de faire des remplacements. Alors, nous aussi, on va en faire. On va remettre Suzo qui est normalement à la place de Keisuke Honda. Après, bon, on va tenter Luis Adriano à la place de Baka qui est quand même fatigué. Côté gauche, on n'a pas vraiment de choix. Donc, on va peut-être remplacer Bonaventura, mettre Sosa. Voilà. On a fait nos trois remplacements. Attention, il a une bonne action là. Hein. Il y a danger, là il y a vrai danger de but. Faut s'imposer, on ne s'impose pas dans les airs. Si c'est nous. C'est nous qui nous sommes imposés. Est-ce qu'on l'a joué à deux? Oui, il l'a joué à deux. Il nous élimine, c'est bien fait. On sent qu'il est dangereux sur les centres, notre adversaire. Alors, on a quand même des joueurs frais devant. Il y a peut-être quelque chose à faire. Et là pour l'instant c'est lui qui a quelque chose à faire. Et le PSV Eindhoven va aller chercher la gagne, on dirait bien. Clairement, on est en danger. Alors, est-ce qu'il y a... Hop, voilà, cette fois-ci, on avait anticipé. Là, tu pourrais partir, t'es frais. Il est frais, il vient de rentrer. Et là, il peut faire son action, là. Hein. Il peut faire son action, il faut qu'il y ait des bons appels. Un bon centre, et non, un centre catastrophique. Allez, il a fait une course de 80 mètres. Hein. Faut lui excuser. Pas facile, mais dommage, hein, y avait vraiment eu une opportunité là. Ça, on savait qu'il allait la faire là. Donc voilà. Oh non! Je suis pas d'accord là. Je suis pas d'accord. C'est vraiment à l'épaule, on le bouge. Alors qu'est-ce qu'ils vont tenter là? C'est dangereux. Ils se sentent forts dans les duels aériens. Ils peuvent gagner dans les duels aériens. Ils ont, leur premier but a été comme ça. Non! Il sait que je vais faire cette passe. Moi je le vois qui fait ça, donc je ne dois surtout pas faire ça. Et au final, je joue mal. Je fais des choix pas tip top. Ah là 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 là, mauvaise passe. On vient mettre la pression. Allez, Niang, l'ancien Marseillais. Ah, on n'arrive pas, on est pris. C'est solide le PSV au final. Hein. C'est solide. Allez, cette fois-ci. Oh, et c'est le deuxième but. Et on va gagner le match peut-être sur ça. Je parlais plus trop, moi j'étais concentré à mort. Là, j'étais concentré. Et Kouka qui marque ses deux buts. Eh oui, et on va peut-être aller chercher un troisième but. Allez. Boum! Ouh! Ouais, en tout cas, on se bat. Hop, on lui fait croire qu'on va le jouer à deux. En fait, non, on ne le joue pas à deux.
Et on ne s'impose pas dans les airs, hein, comme voilà, comme, ah, il a bien senti le coup, comme habituellement sur ce match par contre. Ah, non, et attention, ils peuvent. Il doit jouer plus vite là, mec, tu dois jouer plus vite. Il aurait dû balancer de suite. Là, on s'est quand même replacé. C'est un mauvais choix de sa part là, il est resté un peu trop longtemps. Hein. Nous, on est en train d'aller gagner ce match qui s'est montré. Enfin, ça a été compliqué. Mais on est en train de gagner. Ah, je fais quand même, enfin, j'ai vraiment une grosse marge de progression, je trouve, sur ce FIFA. Je fais un but, c'est monter en première division avec vous. Donc, évidemment, sur FIFA, c'est largement faisable d'aller chercher la première division. À l'époque, j'y arrivais. Sur PES, je crois pas avoir réussi. J'avais atteint la deuxième division, mais pas la première. Sur FIFA, c'est faisable après avoir. En tout cas, deuxième match et deuxième victoire pour cette division 8. On commence bien, la zone de relégation se rapproche. La montée, c'est 12 points, c'est largement faisable aussi. On verra quelle prochaine équipe on pourra prendre. Ouais, je change toujours à chaque fois, vous le savez bien. On essaie de prendre des équipes que l'on voit pas si souvent que ça. Merci à vous d'avoir regardé, on est sur une belle série, regardez. Merci à vous d'avoir regardé et nous on se retrouve très vite. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.